Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie trois petites garçons leader suprême Hamas là, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là dans moment gagnant yon négociation cap fait pour cesser le feu dans Gaza. Ici aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche Premier ministre japonais Fumio Kishida côté au palais entre autres de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège organisation État américain OEA dans Washington sous yon conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans l'ambassade Mexique dans la ville Quito en Équateur. Et puis actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans l'impasse pendant la crise là continue à aggraver dans le pays. Et c'est pour ça yo avec l'autre corps nous pour développer pour dans un petit moment merci d'être choisi VO Acréole pour informer yo visite officielle cap gen la dan dîner d'état dans occasion vireon premier ministre japonais aux États-Unis une visite qui commence jodi a dans la Maison Blanche. On a loué sa vie pour. Dans la Maison Blanche, jeudi mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevront Premier ministre japonais Fumio Kishida qui les gagne avec tout madame ni. Monsieur Biden accueilli avec un pile honneur visiteur sayo dans sa un pile monde considéré tant qu'une visite historique. Distinguished guests, the President of the United States. Mr. Kishida, welcome. Président Biden nan non vice-présidente la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme un leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Premier ministre japonais bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir nan occasion viré won sa nan moment y a travail sous défense indo-pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que le gouvernement n'a pas prêt pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défi dans le monde. Et bien, actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté président Joe Biden, pensait que ça, on est, c'est à pour erreur si Israël menait opération dans Rafah pendant ce temps, gagnait leader. Et suprême Hamas là qui perdu trois petites garçons, trois dans petites garçons et puis gain quatre petites tout qui mouri pendant que a gain une négociation qui sous pied pour essayer de jouer un cessez-le-feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision, et que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril là, l'idée États-Unis a exprimé gros qu'elle sautait sous action pour le premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, à poser dans le cadre de conflit État-Juif là, à groupe Hamas là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement attaque militaire israélienne été lancée sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden t'a aimé pour État-Juif là, proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a pu manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qui a vint là. Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaël Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort trois petits garçons avec plusieurs petites lits qui périnent en frappe militaire israélienne lancée sous Gaza. Mon remercie bon Dieu pour honneur qui transforme trois petits garçons avec divers petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annonce ça étant dans le pays Qatar. Leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petits garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, les négociations ont continué pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza et pendant que le président Joe Biden, une autre fois encore, ensemble avec les Nations Unies, l'autre instance, dit que c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que c'est la dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre, c'est et mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité, il y a une spéciale réunion dans le siège Nations Unies, pas dans les Nations Unies, dans OEA plutôt dans Washington, côté où tu considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien George Glass dans l'ambassade Mexique là dans la ville Quito en Équateur. Jean-Robert Philippe cap suivre pour nous dossier ça. Jean-Robert, il faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans la zone, les par exemple forces de l'ordre entrent dans l'ambassade qui sont en mission qui est en général d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça que nous avons fait. Mais tout, les États-Unis, ensemble avec l'OEA, ils ont demandé à ce que les parties concernées, donc Équateur avec Mexique, que cherchent-ils une entente
pour résoudre le problème diplomatique ça, sans avoir besoin d'un bouche l'ouvrir. Et c'est comme ça que la rencontre qui était faite aujourd'hui, c'était l'objectif là, tant des parties concernées, tant des autres pays et tout. Mais quoi, tant mieux, il défend une position là, et le fait qu'il était entré dans l'ambassade là, il y a des informations que très certainement les pays concernés, que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région, pas de gain. Mexique n'a bouche l'ouvrir diplomatique avec Équateur après descendre de l'effort de l'ordre de fait dans l'ambassade PIA dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass qui déprend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. L'assalto à notre embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire c'était une attaque sur l'ambassade. Là. Un gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'y a pas senti un support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous pourrons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui t'a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique t'a offert ancien vice-président grâce asile. Président Obrador déploré position États-Unis à Canada pour façon y réagir après descente de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position du pays voisin yo vague et au parquet. Mardi 9 avril, les États-Unis ont demandé à l'Équateur pour travailler avec le Mexique pour joindre une solution pour chirer les pistes diplomatiques qu'ils ont gagnées entre eux. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. États-Unis, Jack Sullivan dit, États-Unis condamné événement 5 avril là qui c'est une violation convention relations diplomatiques viennent tant qu'au utilisation de la force contre responsable ambassadeur. Nous réviser image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y ait là, employé ambassade Mexique là, dans Quito, retourner la CAIO sous demande autorité mexicaine. Pays membre organisation État américain a rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là, dans Quito. Il réitéré l'obligation que tiennent tous les États. De no invocar normas de derecho interno para justificar. Secretario General de la Organización Regional, la, Luis Almagro, declaró que Ecuador debe respetar la ley internacional. La misión diplomática es inviolable. Número 1, la OEA ajouté: la ley interna PIA no es capaz de justificar la descente de l'UE. Jorge Glass, que fue vicepresidente en 2013 y 2017, fue condenado por pasar 6 años en prisión por acusación que le était accepté coûte l'argent imbattable dans mes compagnies de construction brésiliennes Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat gouvernement. En 2020, ancien vice-président a joué l'autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation que l'été utilisé l'argent contracté pour te financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Tribunal là a été lagué glace en 2022. Jeudi, elle a fait face avec accusation que l'État a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction province Manabi qui bol en mer après tremblement de terre 2016 là, c'est dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier ça. D'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies, il y a Rafael Correa, ancien président équatorien qui lui-même pensait que son kidnapping que vous faites sous ancien vice-président équatorien et puis Jorge Glass et Diaz qui c'est petit et garçon ancien vice-président qui lui-même il dit l'a laissé deux fois pour louer papa lui pas voulu louer papa et il pensait que c'est un abus que vous faites sous douane. Vous souvenez au créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien. Actualité a mené nous connait dans pays d'Haïti et côté installation conseil présidentiel transition les toujours dans passage pendant que crise là a continué à aggraver dans pays surtout avec opposition avec contestation par rapport à et conseil et présidentiel transition. Nous va le rejoindre correspondant nous Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne attend publication dans journal officiel l'État les moniteurs non 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement conseil présidentiel transition. Moun sa yo pou kokon pou ki lè yo la, puisque mardi soir 9 avril 2024, gouvernement démissionnaire Ariel Henry qui était réuni en conseil des ministres, transmet projet accord qui créé organisation et fonctionnement structure ça dans service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet a conforme à la loi organique institution l'État. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche là pas bon. Parce que le gouvernement démissionnaire. Qui ne comprennent pas comprendre le problème, parce que il y a une liste pour dire publier dans le moniteur. Mais il y a un mécanisme pour publier dans le moniteur. On ne peut pas demander à un gouvernement, même s'il est démissionnaire,
raison plus les démissionnaires pour publier un bagage illégal. Bon côté parle Rose Jean qui c'est leader Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique qui regroupe plusieurs dizaines de structures sociopolitiques parmi eux Haïti diaspora réunis pour Jomo et diverses autres qui réagit tout sous dossier ça dit ministre Kilayo pas gain prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Pendant ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle Conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, au VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordonnateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique, Osmond Jean, il a annoncé une manifestation contre mise en place et Conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Villemé, il trouve la capitale haïtienne. Rosemont Jean qui identifie tête li comme un opposant gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche CARICOM là annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui va venir là pour aller dénoncer démarche si là yo quoi qui c'est une menace contre indépendance pays. Nous dit la CARICOM les États-Unis, la France, le Canada pas gagné ça dans attribution puisque yo cap nommer président pour nous pardon cap nommer président pour nous en Haïti. Et encore plus, qui venait avec le conseil créé de 10 moun, de 9 moun, de 9 malfaiteurs, nous dit, nous-mêmes, n'a fait résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, nous, c'est une menace à la souveraineté, nous. Nous-mêmes, comme haïtiens, personne ne va arrêter de voir ça, non, mais nous, pour nous dénoncer et on t'a dit, tentative qu'a fait là pour vendre le pays. Mais stratégie, c'est pour faire force pour nous répondre dans toute mobilisation, pour nous casser bagaille ça là, pour nous casser stabilité ça, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaident en faveur avancement mise en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtiens conscients des situations. Je crois que monde qui soit disant dit on a conseil là, c'est pas monde qui sorti en l'air. Ce n'est pas moi qui sorti en France, ce n'est pas moi qui sorti aux États-Unis, c'est les Haïtiens. Oui. Aujourd'hui, si les Haïtiens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le pays, ils ne sont pas capables de finalement pas Haïtiens. Moi, je conseille eux, en conseil, là, comme pour les jeunes, une alternative, une consensus, une entente politique, pour permettre de façon à ce que les dotés pays de un président qui soutient dans le conseil. Là. Avec le conseil, là, mais même. Je ne peux pas dire même si on ne peut pas faire pour le pays. Mais moi, comme étant donné que moi, son bagage qui est plus ou moins là, plus ou moins, moi, c'est l'inéo à parler sur lui tout côté de la radio. Il faut que nous connaissions que le peuple a souffert là. Ok, le peuple a souffert là, pour que nous puissions trouver une solution. Je ne sais pas si on a un cabinet, un cabinet de conseil, mais on a un cabinet président. Mais son seul bagage, il a besoin de souffle. Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaite que le conseil là, côté un résultat pour. Population. Face à l'instabilité politique là, qui traînait derrière une augmentation de violence et un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtienne a perdu valeur devant dollar américain. Côté sous-marché formel là, c'est 132 à 133 gouttes pour dollar, alors que sous-marché informel là, c'est 137 à 138 gouttes pour dollar américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemé pour VOA Créole. Merci, Massado Villemé. Pendant que l'installation conseil présidentiel transition lui-même est en difficulté, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là, qui continuent à réclamer pour y aller. Dans le cours de cassation pour rejoindre un juge qui régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc, ça qui fait que jusqu'à présent, il y a un pile flou dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même, il y a gardé pour y aller. Et dans quelle mesure que l'installation ça capable de faire? Et puis, dans la question gang armé qui continue à cimer l'intérêt, eh ben, il y a Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale à mener pendant le dernier jour que se passait là, dans le pays pour faire face à face carré avec gang armé. Nous sommes sur place Yves Manuel, dans Port-au-Prince. Direction générale police nationale d'Haïtien présenté bilan partiel intervention et opération li mené pendant période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisis lors d'une intervention conjointe qui fait au cap dans le douanement et avec appui de agents douaniers. La police a recherché activement
Wilman Jean, commissionnaire de loi. Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir carison. Environ 1 500 cartouches de calibre confisquées. 6 300 000 gourdes confisquées. 20 000 dollars américains confisqués. 2 véhicules confisqués. 9 motos confisquées. Gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention et opération de la police. Gagné 16 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération et intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui neutralisés par la police lors des champs de tir avec la PNH. New York, New York, ainsi connu, qui t'a opéré dans une cité de Doudoune. Il s'est blessé mortellement lors de l'échange de tir avec la police. La police s'est saisie lors de démonstrations. Un fusil d'assaut, une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans Japon, Jean-Pierre Anthony, qui continue d'opérer par l'acquis. Il s'est fait partie d'un gang qui a opéré dans sa réunion team au niveau Japon. La police possédait l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouque. Bandi a utilisé plusieurs méthodes pour empêcher population à vaquer à occupation. Gary Desrosiers continue à demander soutien population pour traquer gang yo. On a sollicité à plus population dans le travail que l'on a fait. Situation sécuritaire très délicate. Et Bandi a utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population d'acquérir une bonne activité. Et l'outil retour en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov, et utiliser vos armes fin de foi. Opération et intervention police nationale d'Haïtien qui a continué dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et bien, dans le cadre d'opération que la police a menée, il y a été gagné et démolition plusieurs cailles dans la zone aéroport international là. Et côté ça sorti, c'est une compagnie sécurité qui fait et compagnie aérienne exigence. Si pas gagné assez de sécurité, notamment dans la zone aéroport, il n'y a pas capable de bailler assurance et l'État haïtien lui-même est obligé de prendre les mesures nécessaires. C'est ça qui fait que la police nationale a commencé dans la démolition, mais ça qui passe, c'est que il y a un pile monde qui dit que ou bien Kayo Maké a démoli, ou bien au démoli, mais il faut qu'on joue un cob et que l'État promet yo pour Kayo que yo crasia, et puis il y a un problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité, toujours concernant le pays d'Haïti, la Maison Blanche qui a essayé de faire congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui est pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagné tête li Kenya, Sandra Lemaire, gain d'État. Sous des massacres qu'a fait. Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale, Jake Sullivan, dit journaliste m'a dit que l'administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force. Consulting with the Congress to try to unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. L'INAP travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que c'est urgent pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya pourra diriger en Haïti plus vite possible pour aider à rétablir stabilité à la paix pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider à stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan soulignait que les États-Unis mettaient programme en place pour aider Haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Didi, nous pourrons continuer à pousser pour pied devant avec programme ça. Didi tout, les États-Unis ouvert porte pour Haïtiens qui courir pour la violence gang, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking
to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Lizi assistance historique n'a bay pour haïtien k'ap kouri pour violence là ou bien qui a échappé en bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui vient aux États-Unis, nous a continuer faire ça. Sullivan répétait que cause principale situation Haïti a c'est insécurité a. But the root of all of this, of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country, is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas qu'à circuler librement dans le pays, ni choisir qui côté ils veulent aller, c'est insécurité et instabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider à rétablir stabilité pour toute activité continuer à dérouler grâce à une force multinationale. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur fait connaître, c'est chaque jour conversation ça y a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc, tu as capable le dossier Haïti tout partout, que ce soit dans OEA, que ce soit dans les Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche, qui eux-mêmes a penché sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaissons que le Conseil et présidentiel transition lui-même est toujours dans difficulté pour l'installer avec toute confusion qui gagne dans la question légale et autres n'absurde pour. Mais malgré ça, et sécurité et violence gang, Nations Unies, avec tout partenaire et local et international, rivaient distribuer aide humanitaire by moun qui n'a besoin. Nous parlons de New York avec Valérie Saint-Louis. Haïti a fait face à gros défi humanitaire qui a augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Il a rapporté que gang Kounia contrôlait environ 90% de Port-au-Prince et a lancé attaque chaque jour dans la capitale là. Selon Nations Unies, violence gang a forcé 53 000 personnes qui étaient ville là. Gros coup de zam qui a tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pifo boutique avec misis yo fermé depuis plus passé 8 mois. Dans une autre partie dans la ville là, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe, boulé caoutchouc et puis bloqué la ria pendant qu'il a essayé faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie processus politique là. N'a pas rappelé que monsieur Amé a été boulé commissariat à la police, il a été l'ouvri coup de zam sous principal aéroport international là qui était fermé et puis il a été envahi 2 plus gros prisons en Haïti et il a été libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapportait que jusqu'à date 22 mars là plus passé 1500 moun t'est mouri et yon lot 17 000 moun t'est obligé courir quitter caillou à cause violence gang yo. Dans le temps tout désordre, le travail humanitaire a plité pour offrir services clés de base, tant que soins santé, et puis distribuer manger par groupe moun qui n'ont besoin et qui pi vulnérable. Programme manger mondial, la World Food Programme, continue à faire distribution manger ensemble avec partenaires locaux et internationaux. Yo bay yon plat chaud chaque jour. Yo distribue plus passé 22 000 repas chauds par moun qui déplacé. Pendant ce temps, Organisation Internationale Migration, ensemble avec partenaires liés, te distribué 132 000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitaine Port-au-Prince. Système soins santé en capitale a été très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang. Partenaires humanitaires continuent à supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile, toujours dans centre déplacement et puis yon bay équipement médical avec fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné. En dehors Port-au-Prince, dans l'autre département, opération humanitaire Nations Unies a continué. Organisation World Food Programme a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école Lio. Et puis tout, yo bay famille, yo ti chocho transfère l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gain pour souffrir malnutrition aiguë, ak youn sous 4 timoun k'ap souffri de malnutrition chronique. Avec aéroport international là qui fermé, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete yon défi, mais Nations Unies dit que la continue fournir aide ak support que le capable à travers agence ak partenaires qui sous place. En pile moun gen gros créatif pour que sauf si sécurité a ta vin rétabli, situation ka vin pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis, d'après t'es toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gain glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gain impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre et glorieuse Nelson. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle
insécurité, grand goût, rasé pour ne citer ça seulement, à taille banda sous population. Une situation qui a des conséquences sur Haïtiens en dedans ou dehors pays. Quelques Haïtiens nous rencontrer dans Brooklyn, New York, exprimaient qu'ils sautaient à Clapérez, ils gagnaient, les y'a regardé ça qu'a passé dans pays. Nous t'ai parlé à Kédine Célestin, qui c'est un militant droit monde qui était obligé de quitter Haïti ça gagne 4 années. M'pa pral di ko viv même niveau stress ensemble avec moun ka vive souterrain parce que yo nan bagala chaque jour, mais ou gon stress ko viv en permanence, on appelle que ou raté on moun ko rele ki ou pa joine en situation ko tande nan radio et que ou imagine. Et ça qui est difficile là, c'est que ou obligé vivre dans réalité pour la tout dans quotidien ça, ou pa ka rele pou di ou pa pral travail parce que Haïti pa bien. Ou pas carré les pour dire qu'on sa situation abdominaux ou pas qu'à faire activité chaque jour. C'est un quoi vivre avec un stress et obligé fonctionnel. Même Jacques militant droit monde, Steven Baboun, qui est un artiste et photographe haïtien, expliquait j'en ai gagné anxiété. Il passe journée à informer à travers les réseaux sociaux à divers autres sites qui pas information fiable. Les conscients cependant que les gains privilèges pour le déconnecter les pas gains force encore alors que compatriotes nous sur terrain à vivre dans tant de blousailles là. C'est pays, mes familles, mes amis, anciens professeurs, collaborateurs, collègues, mes tout le monde aussi Haïti et donc qui gens m'ta fait craser habitude ça, les dur, me senti très inutile. Ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas gain. Pas grand impact immédiat, impact là pas assez. Et je me sentis très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, c'est un sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Malgré l'inquiétude de la Pérez, intervenant a expliqué nous qu'il voulait rester quoi dans un demain meilleur pour Haïti. Glorieuse Nelson, pouvez-vous créole? Brooklyn. Merci Glorieuse Nelson, nous sommes en contact là avec Port-au-Prince qui fait nous connaître que ben grand pile monde en bas la ville là dans zone rue pavée, rue de la Réunion, rue des Miracles qui continue à quitter caillou à cause bandits qui prend toute zone yo et gen moun chan mastou yo capable la fumée cap monter dans zone et dans zone Cité Soleil, donc ça veut dire que gagne un pile activité violence qui continue à marquer la vie pays.